Chaque semaine, je visite une organisation soutenue par tous les joueurs de la Loterie Nationale. Aujourd'hui, je rencontre Claire qui rêve d'une médaille d'or. Ah bah ça c'est bien. Avec les caméras là, ça va mieux, hein. Bonjour Claire. Bonjour. Alors j'ai vu de loin que tu t'entraînais, qu'est-ce que oui. tu fais? Bah je fais un entraînement de saut en hauteur aujourd'hui. Comment ça se passe exactement? Tu veux bien montrer les étapes? C'est quasiment ma taille, hein. Ça, on est à 1m60. Je vais mettre mon pied devant ma marque, je vais faire mes deux foulées et je vais arriver avec mon pied ici, vers le mousse, mm-hmm. les épaules vers l'intérieur, pour faire passer mon genou ici, faire une rotation et me mettre en arrière. Wouhou! Voilà. Qu'est-ce que tu ressens quand tu réussis ton saut et que tu n'as pas touché la barre? Alors, en entraînement, c'est juste sympa. En compétition, quand c'est une barre importante, là, il y a toute l'émotion qui sort et ça donne des petits cris, des petites de la joie, etc. Et des petites larmes. Des petites larmes, souvent aussi, d'ailleurs. Mais c'est vraiment une explosion de joie. Est-ce que tu as toujours aspiré à être athlète? Je suis une compétitrice. Et du coup, lors de mon premier entraînement de saut en hauteur, je sentais que c'était quand même quelque chose où il y avait du potentiel. Et après 2 mois et demi d'athlétisme, il y a un coach qui nous a demandé à l'entraînement qui a envie de faire de ce sport sa passion et faire du haut niveau. J'ai levé la main. Ça faisait 2 mois que je faisais d'athlétisme et j'étais encore en converse à l'entraînement, mais j'étais déterminée. Et quel est ton plus grand rêve alors? Je crois que comme tous les sportifs, déjà, c'était d'aller aux Jeux. Maintenant, s'il y a moyen d'aller grappiller une petite médaille et de préférence la dorée, ce sera encore mieux. Et donc, en fait, toi, tu fais partie du programme Bigold. Oui, voilà. Qu'est-ce que tu as ressenti quand Bigold est revenu vers toi? C'est une reconnaissance parce qu'ils soutiennent pas tous les athlètes, puisqu'ils soutiennent seulement ceux en qui ils ont confiance. Ils pensent qu'on a le potentiel pour atteindre ces jeux. Et donc, de faire partie du programme, c'est une grande aide. Et je remercie Bigold pour ça parce que ça rend bien. Bonjour Didier. Bonjour Laetitia. Quel talent, c'est incroyable. Oui, c'est une athlète qui est dans le projet depuis 6 années. Bigold, ça permet quoi exactement? En fait, Bigold permet d'aider et de venir de manière complémentaire en soutien à tous ces jeunes athlètes qui ont un très haut potentiel. Donc Bigold porte bien son nom. Tout à fait. On recherche l'or, on recherche vraiment le plus haut niveau qu'on peut trouver au niveau des sports olympiques. Une médaille d'or pour tout le monde. C'est tout à fait possible. Ce n'est pas toujours facile, mais on a du talent. Et on doit aider ce talent à grandir. Et on doit permettre, et certainement permettre grâce aussi à la Loterie Nationale et au soutien des joueurs, permettre de réaliser le rêve des athlètes de devenir demain des champions olympiques. C'est quand même une passion pour toi. Je pense que c'est plus qu'une passion, c'est une raison de vivre, c'est très clair.